Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette courte vidéo après une nouvelle nuit blanche, je vais vous montrer comment simplement récupérer un accès route sur une machine pour laquelle vous l'auriez perdu. Alors il peut s'agir d'un serveur physique, dans ce cas-là il vous faudra un accès à la machine ou un accès au travers d'un KVM. Ça peut être une machine virtuelle comme ici, une instance publique cloud ou autre, l'important étant d'avoir accès à la console. Donc je vais démarrer le serveur. Arrivé ici, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur E pour éditer et je vais venir rechercher la ligne qui démarre par Linux. Je vais me mettre à la fin de cette ligne et je vais rajouter en option init égal slash bin slash bash. Attention, en général, vous serez encore en QWERTY à ce niveau-là car il n'aura pas encore chargé en fait le keymap correspondant. Une fois que c'est fait, je fais un petit F10 pour démarrer. Et là, on va se retrouver avec un shell root. Alors, petit problème, c'est que par défaut, le système de fichiers ne sera pas monté en écriture. Il n'est donc pas possible de modifier le mot de passe. Ce qu'il faut faire donc, c'est le remonter. Donc, pour ça, on fait un petit mount-o remount, rw, donc pour read-write sur slash. Voilà, et si maintenant on refait la même chose, comme vous voyez, on accède maintenant en lecture, en écriture. Il suffit maintenant de modifier le mot de passe, root. Donc ici, je vais en mettre un autre mot de passe. Voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, un petit signe pour être sûr que la donnée a bien été écrite sur le disque. Et vous pouvez éteindre et redémarrer la machine. Donc ici, j'éteins la machine. Je redémarre la machine. Là, vous allez pouvoir la laisser booter normalement. Et soit, si vous avez un accès distant, vous aurez votre accès à distance. Soit ici, on récupère son accès local. Voilà. C'était tout pour cette très courte vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.